Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment préparer une mayonnaise. C'est bon une mayonnaise, c'est gourmand et tellement meilleur quand c'est fait maison. C'est pour moi une des 100 recettes incontournables qu'il est important de savoir faire chez vous au quotidien. Et comme toutes les autres recettes de mon livre, elle n'est pas chère, elle se prépare vite et elle utilise des ingrédients que l'on peut trouver facilement. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous laver les mains et bien sûr de vous abonner. Cela vous permettra de ne louper aucune de mes prochaines vidéos et d'apprendre toutes mes recettes. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Alors, c'est très simple à faire une mayonnaise en vrai. Hein. Et vous pourrez retrouver la liste des ingrédients en description. Alors, je dis c'est simple, mais il y a beaucoup de gens qui la ratent en fait autour de moi. C'est très drôle. Alors, pour la réussir, ben, regardez comment je vais faire. D'abord, le vinaigre. Ensuite, le sel et le poivre. Alors, pourquoi on met le sel et le poivre au début? Surtout pour le sel dans le vinaigre. Alors, c'est parce que le sel va se dissoudre dans le vinaigre, mais pas dans l'huile. Donc, c'est pour ça que c'est important de le mettre avant. OK? Alors ensuite, on rajoute la moutarde. Alors, moutarde forte ou moins forte, ça c'est selon votre goût. On peut mettre aussi de la moutarde à l'ancienne. Voilà, là je mélange la moutarde, le vinaigre, le sel, le poivre, voilà, tout ça en même temps, je mélange bien. Ensuite, je vais rajouter mes jaunes d'œufs. Je vais clarifier les jaunes, séparer le jaune des blancs. Voilà. Et bien sûr, les blancs, on les garde. Et là, je mélange mes jaunes avec la mayonnaise, le vinaigre, c'est le poivre. Je mélange bien, voilà, juste pour bien incorporer les deux masses. Et ensuite, alors là, c'est une petite astuce quand on est seul pour faire la mayonnaise, c'est bloquer le cul de poule avec un torchon pour éviter qu'il se balade partout. Parce que d'un coup, il faut d'une main tenir la bouteille d'huile, quand c'est une bouteille, et de l'autre fouetter. Voilà. Donc, et ce qui est important, c'est de verser vraiment un petit filet. Il ne faut pas trop en mettre. Et il faut s'arrêter aussi de temps en temps. Voilà. J'y vais par petites touches. Hein. Et bien fouetter pour que l'huile s'incorpore bien avec les jaunes et la moutarde. Quand on va trop vite, souvent, ça sature et c'est pour ça qu'elle tranche et qu'elle vire. Voilà, toujours, voilà, un petit coup comme ça. Voilà. Hop. Là, je vais m'arrêter. Voilà, hop, j'y reviens après. Il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas trop vite saturer le mélange avec l'huile. Alors, on donne un petit coup de fouet là pour bien serrer. Et puis, ben, c'est terminé. Alors, après, on peut rajouter des herbes si on veut. On peut l'agrémenter comme on le souhaite, hein, cette mayonnaise. Mais là, c'est le basique du basique. Et bien maintenant, vous savez comment faire une mayonnaise. Alors, moi, la mayonnaise, j'aime bien avec des bonnes frites maison. C'est une tuerie. Et elle servira de base pour la recette de la macédoine que vous retrouvez dans mon livre. Si vous manquez d'ustensiles ou que vous voulez investir dans du matériel de qualité, vous pouvez retrouver tout ce que j'utilise pour cuisiner sur ma boutique en ligne. Si vous avez des questions sur la recette ou que vous rencontrez des difficultés, dites-le moi en commentaire et je vous aiderai. Allez, à bientôt. Et attention, pas trop de mayonnaise quand même. Parce que... ok. Pour vous équiper avec du matériel de qualité, tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique en ligne. Pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrais chefs, eh ben, abonnez-vous en cliquant sur ma tête. Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, ben, c'est juste là.